Calmez-vous, c'est fini. Je suis pas avec eux. Alors, que faites-vous ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je suis arrivé à temps. Ça va? Ils vous ont rien fait? J'ai eu de la chance. Ils n'arrivaient pas à décider quel implant serait le plus drôle. Putain de cyberpsycho. L'un d'eux voulait me retirer la mâchoire. J'ai des frissons, rien qu'à y penser. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps. À qui dois-je cette intervention? Je passais dans le coin et j'ai entendu des blagues bidons sur les cyberbronzes. En voyant le Maelstrom, ça m'a paru louche. La vérité, c'est que c'est votre frère qui m'a envoyé. Il voulait pas qu'il vous arrive la même chose. Merci de m'être venu en aide. Mais ma vie ne vaut pas toutes ces morts. Une bonne action ne justifie pas toutes ces souffrances infligées. Votre intervention relève du mal à l'état pur. Je préférais votre frère. Comment le Maelstrom vous a capturé? La plupart des gens les évitent comme la peste. Nous ne sommes pas d'ici. Nous allons d'un endroit à l'autre. Arrivés à Night City, nous n'avons pas eu le temps de repérer ces dangers. Les moines vivent pas dans des monastères? Ça n'a pas toujours été le cas. Mon frère et moi appartenons à un groupe qui suit les premiers enseignements bouddhistes. C'est une vie intéressante. Nous rencontrons des gens vraiment spéciaux. C'est ce que je vois. Inutile de vous moquer. Nous savons que le monde est dangereux. Mais ne pas prendre de risques revient à ne pas savoir ce qui se trouve en dehors de chez soi. Je suis sûr que vous comprenez. Votre frère vous attend. Pas très loin d'ici, sur la plaza. Je vais reprendre mes esprits, et ensuite, j'irai le retrouver. C'est lui qu'il faut sauver maintenant. Qui aurait cru que les moines étaient aussi ingrats? Tu devrais peut-être t'excuser de lui avoir sauvé le cul aussi. Marre de tous ces connards qui divisent le monde entre bons et méchants. Tout ce qu'il y a, c'est des bons et des mauvais choix. Et t'as dû faire le bon pour que tout ce joli matos nous tombe tout cuit dans le bec. Ça, c'est le karma. J'aime beaucoup ta façon de penser. Type qui avait l'entrejambe en feu. Ouais, si vous voulez, ouais. Bref, j'appelais pour vous dire que j'ai transféré les fonds. Alors, ils ont réussi à sauver votre... machin? Ouais, autant que possible. Pour moi, la douleur a disparu. En tout cas, quand ça aura guéri, je m'achèterai un meilleur modèle. Ouais, la top qualité. Vérifiez la garantie, la prochaine fois. Ouais, comptez sur moi. Prenez soin de vous.